Nous allons méditer et autour de la parole de Dieu. Et nous trouvons pour notre méditation hebdomadaire et notre lecture se trouve dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 12, le verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah, quelle belle lecture, quelle profondeur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, verset 35. Ah, la parole de Dieu, c'est esprit et vie. La parole de Dieu est porteuse de vie, une vie abondante tant que nous trouvons en Jésus-Christ seul. Et si ce matin je te pose cette question, quel est l'état de ton cœur? Je ne suis pas cardiologue, mais je peux quand même te poser cette question. Quel est l'état de ton cœur? Eh bien, tenez-vous bien ce matin, tenez-vous bien aujourd'hui. Chaque homme a un compte bancaire en lui-même. Et c'est là-dedans, chaque jour, vous faites tirage. Tout trésor, la vie, c'est dans le compte bancaire salié. Cela veut dire, il y a un bon trésor, il y a un mauvais trésor, et c'est ça Matthieu 12, verset 35, dis-nous là. Cela veut dire, c'est à vous-même pour qu'on ait, dans le compte bancaire que vous gagnez dans la vie, là, eh bien, qui tirage qu'on fait? Dans qui trésor? Dans le bon hein? Ou bien dans le mauvais? Eh bien, c'est ça qui a sauté dans la bouche, qui prend bâille une idée de qui est à cœur. Ou pas qu'à l'autre monde que ça qui sorti dans très fond. La parole est créatrice, pas chambler ça. Dans Genèse 1er, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Parole qui sorti dans bouche bon Dieu a, li exécuté exactement commande li passé. Ça il te commandé, c'est lui-même qui exécuté. Bouge bon Dieu dit lumière paraît et lumière paraît. Est-ce que nous conscients de parole n'a dit? Souvent moi nous naïfs. Nous innocents dans ça n'a dit. Est-ce que nous conscients de parole qui sorti dans bouche nous? De ça n'a répété chaque jour. Avec muscle ça que yore les langues nan. Nous elle langue ça qui dans bouche nous hein, a li même seulement li gen 17 muscles là-dedans. Ah oui. Ah oui. Et souvent la langue est la source de nos malheurs. Les malheurs qui nous arrivent ne sont pas si souvent les attaques de Satan, mais non. Ce ne sont pas les attaques de Satan, si souvent, mais ce sont les conséquences de notre langue mal gérée, mal dirigée et débridée. Nous parlons mal. Nous parlons très, très mal. Et la parole de Dieu, qui c'est un manuel de vie pour le croyant, la parole de Dieu, la Bible, est le mode d'emploi de notre passage sur cette terre, eh bien, la parole de Dieu nous demande d'avoir l'excellence dans le parler. Nous parlons mal. Nous devons avoir l'excellence dans le parler. Chrétiens, yo pas fait attention à ça qui a sorti dans la bouche.
Est-ce que nous connaissons ennemi à utiliser l'église comme théâtre pour le fonctionner, pour l'opérer? Ah, nous pas de connaître ça. Ah, nous pas de connaître ennemi à utiliser l'église pour comme théâtre pour fonctionner. Eh bien, est-ce que nous connaissons chrétiens yo pas prêter attention à ça? Yo vont laisser aller. Yo laisser aller. Yo parler mal. Yo l'ont chuchotement. Dans hypocrisie. Pasteur a voyé pointe sous pasteur sur réseaux sociaux yo. Pasteur parler l'autre pasteur pareil li mal. Dame missionnaire qui a parlé l'autre dame missionnaire pareil li mal. Et même parmi les païens nous pas joindre ça. Ah, c'est grave. Ah, c'est détestable et c'est à la fois regrettable. Et tandis que nous qu'on amène nous un manuel de vie qui c'est la parole de Dieu, la Bible qui montre nous qui Jean pour nous vivre. Gardez nos matins. Gardez nous dans la vie. Pourquoi vie désastreuse ça ou ap mené an. Vie catastrophique ça ou ap mené an. Gardez pour si c'est pas langue nan qui mal utilisé que on doit utiliser une autre façon. Parfois en dans l'église yo nous qu'on a fait veiller de nuit, kif kif, veiller de nuit, kif kif. Rien pas jamais réglé. Nous livrons nous dans un combat spirituel. Il y a des groupes dans l'église là, et combat spirituel, combat spirituel. On quand prend pied sandal, on frappe Satan, on frappe Satan. On quand prend mule l'église là, co combat spirituel. Il y a courir derrière Satan. Chrétiens de nos jours livrés dans un combat spirituel et presque toute assemblée a parlé de combat spirituel. Ah, souvent pour faire hit, souvent pour faire buzz sur les réseaux sociaux. Mais sans nous pas jamais prendre conscience que le vrai combat, c'est le combat de la langue, nous devons livrer bataille contre notre langue. C'est langue qui pour utiliser pour la bénédiction de ta vie. C'est langue qui doit bien utiliser pour la bénédiction de ton entourage. Nous faisons fausse route. Là, nous combattons. Nous pas identifier ennemi nous combattons là. Nous faisons fausse route. Gagnons parole qui dit le combat est facile quand on connaît l'adversaire. Tenez-vous bien ce matin. Moi pral di nou yon bagay. Nou est l'état. Chaque état à travers le monde. Gen sa yo rele yon service de renseignement. Eh bien, quelle est la mission? Quel est le rôle du service de renseignement d'un état? Eh bien, c'est de se renseigner sur les ennemis de la nation pour être efficace dans le combat. C'est ça, oui. Connaître les stratégies utilisées par l'ennemi. Ennemi qui compte nation, hein? Service de renseignement, les bien renseignés de lui. Et il va le diriger en fonction de stratégie. Eh bien, est-ce qu'on est chrétien, yo? Dit yo nan combat. Mais malheureusement, yo pas arrivé identifier adversaire, y a combat avec lui. Eh bien, chrétien, m'a parlé avec vous matin. Gros adversaire pour combattre là. Cher chrétien, c'est langue qui nan bouchoua. C'est cœur qui pour demeurer propre. Pour ça qu'a sorti là dans l'en propre. Pour l'édifier et pour l'édifier l'autre monde qui est dans l'entourage. Parce que nous, cœur, mes chers amis, cœur, la parole de Dieu dit ça, c'est la source de la vie. Et c'est la source de la vie à sortir.
Et à partir de cœur, et ça qui sorti dans cœur, qui passe dans bouche là, et mais c'est lui qui détermine la vie. Soit mener une belle vie, soit mener une vie désastreuse. Ah, nous pas de comme ça. N'a bat sa paille là, n'a bat li mauvais côté. Vraie source de renseignement chrétien, c'est le Saint-Esprit qui a dirigé. Vraie source de renseignement chrétien, c'est le Saint-Esprit qui est aux commandes de lui. Et chers chrétiens, ce matin, eh bien, vous devez apprendre à communiquer de manière harmonieuse et constructrice ou bien constructive. Vous devez apprendre à semer la paix au milieu des situations troublées. Quelle réflexion en dedans l'église là nous devons éviter. Quelle réflexion dans foyer là nous devons éviter avec l'un. Quelle réflexion sur page Facebook nous, sur réseau social yo, réseau Twitter, sur Instagram, eh bien nous devons nous éviter. Dans la radio, j'en ai parlé, j'en ai de mon ouvre pas, non, ouvre la radio, presque autant, ou pas t'attendre la radio encore. Parce que pas gagné, capestoui ou. Si nous des bagailles désagréables, yon a tiré tout ya sous l'autre, on nation pas capable de vivre comme ça. Dans la télévision, là, ouvre la télévision, c'est tout le monde qui a parlé l'autre mal. Langue non mal utilisée, et ça fait nation en boubé comme ça. Dans une double, nous te devons éviter une série de réflexions. Évitez-les avant que ces réflexions ne fassent boule de neige. Ouais, boule de neige, bah, m'expliquer nous côté qui gagne neige. Pendant qu'on passe sur une montagne de neige, et bien, puis on glisse. Et dans une petite boule de neige, et mes boules de neige là, elle était petit, elle roulait, elle descend jusqu'à ce qu'elle revienne en bas. Au fur et à mesure que boule de neige là a descend pente là, c'est au fur et à mesure que la ramasse neige, la grossit et bien elle vient faire boule de neige. Et mais c'est parole qui saute dans bouche nous, hein. Parole qui saute dans bouche nous fait boule de neige. Chers chrétiens, chères chrétiennes, ta parole est une semence. Eh bien, matin, ou semer le doute, ou récolter le doute. Ou semer la confusion dans yon l'église, ou semer la confusion dans yon amitié, ou semer la confusion dans yon foyer, ou craser yon foyer, ou craser yon mariage, ou craser yon amitié, ou diviser yon l'église, eh bien, ou récolter la confusion. Par exemple, comment nous dirigeons l'angle nous encore? Si la personne te confie qu'elle souffre de cancer, et puis ta première réaction c'est de dire, eh bien ta mère est morte de cancer après d'atroces souffrances. Mais cette manière de parler est mauvaise. Au contraire, tu dois communiquer une grâce en donnant une parole qui va encourager et fortifier la personne malade. Li pa ka di ou li malade, la chèche réconfort, bon côté et puis tout ou craser moral li à maman, t'es souffri en pile, maman ou t'es malade mais non. Sa parole ça vient joindre, vient chercher là. Ou pas communiquer encouragement. Avait dit langue nous matin, hein? Nous devons semer de bonnes paroles avec notre langue. C'est rôle, nous chrétiens, nous c'est le sel de la terre. Et si souvent nous oublions ça, répandre la parole de Dieu ce matin, au lieu de laisser tes émotions te dicter des paroles que tu regretteras ensuite. Ce matin, chers chrétiens, ton entourage a besoin de bonnes paroles. Des paroles de réconfort, des paroles qui édifient. Ah oui, paroles qui font mon âme sentir bien, parce que nous c'est le sel de la terre. Nous utilisons bouche nous trop mal. Et nous chaque, pour terminer la méditation de ce matin, nous chaque gagnons un compte bancaire dans la vie nous. Et la parole dit nous, est-ce que ce bon trésor là nous prend, ou du moins c'est le mauvais trésor là. Mais moi-même, en tant que femme chrétienne,
moi dois puiser dans bon trésor là et moi dois de temps en temps toujours faire ça dans prière pour le glorieux Saint-Esprit corriger ça me dit pas de bon corriger penser parfois quand penser bien parler et pourtant le Saint-Esprit est là pour me corriger et mander le Saint-Esprit pour faire ça en tant que femme chrétienne, en tant que chrétien, en tant que monde qui a servi mon Dieu pour véhiculer de bonnes paroles côté passé dans bureau, côté passé et dans camionnette là, dans avion, dans quel que soit l'église là, partout dans voisinage, partout ailleurs pour yo dire ah ah ça c'est un chrétien qui a parlé. Mon pas qui a parlé chrétien parole ou mal parce que quand il faut ce qu'il dit l'armée chrétienne c'est la seule armée qui tire sur ses propres soldats. Nous pas doué comme ça. Nous pas doué comme ça. Nous doué même gens avec l'armée américaine pas tirer sur soldat et l'armée américaine pas quitter soldat traîner à terre même s'il mourit, il a redil, il pour aller à quoi à la caillou. Et ou même chrétien qui a parlé chrétien mal. Pareil ou, pasteur, tenez-vous bien ce matin. Nous critiquons l'autre pasteur pareil nous trop. Le monde où est nous nus, nudité nous paraît. Chrétien, nous c'est celle de la terre, nous c'est lumière maintenant. Nous devons porter de bonnes semences. Je reprends le texte de ce matin. Matthieu 12, verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Soyez richement bénis. Amen.